Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cuisine Royale. J'ai pas dit un épisode cette fois-ci, pourtant ça ressemble de plus en plus à une série. Et mon point de spawn était minuscule, donc on va aller voir chez les voisins si l'herbe est pas plus verte. À condition que je ne prenne pas tous les arbres de la région. Faudrait que j'aille par là, moi. Oh, j'ai beaucoup de mal à manier ce véhicule. Peut-être que c'est dû à la neige et tout. Il y a probablement un mec qui a spawn dans cette région. On va prendre ce machin. Désolé. Tu ne m'avais pas vu. Moi, je t'avais vu. Oups, armure jambe gauche, je voulais. Chargeur TTT. Hop. Voilà. C'est un. Ah, c'est un semi-automatique. Parfait. Et ça, c'est quoi? Un automatique. D'accord. Dégâts 15. Wow, il est chouette celui-là. Si j'ai une petite lunette. On se met bien hein, dans cette partie. Grâce au mec que j'ai surpris. Mossina, je pense que c'est moins fort Mossina. Voyons voir. 20. Ah oui, non, mais c'est pas un. Ouais, je sais. On va garder ça en main. On sait jamais, il pourrait y avoir des méchants. Bon, je suis probablement un méchant aussi, mais. Mon petit fusil il est bien. Je crois que c'est bien 6 pour un petit fusil. Nuage de protection contre les forces des ténèbres. Ça sert que quand on est en zone. Donc je suis pas persuadé que ce soit un truc génial ce machin. On va le jeter parce que ça fait quand même un anneau de lumière qui vous rend très visible. Et peut-être tort, hein, on verra. Mais j'ai pas trop pour habitude de rester hors de la zone. Mossina. Comment ça va en alu? Il avait pas le temps de vider grand chose. Ah là, il a vidé par contre. J'ai mieux qu'une hache, moi? Macahuilt royal. Je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas c'est plus stylé. On voit pas les dégâts, non. Ça fait un bruit dans l'air en plus. Ça m'arrange pas qu'elle crie avant de taper, parce que c'est pas très discret. Bon, on pourrait passer au suivant, hein. Là, il y a une veste blindée conservée en elle. J'essaye d'être attentif au bruit pour repérer les joueurs, mais la plupart du temps, c'est moi qui fais du bruit. Ça m'aide pas tellement à retrouver à repérer les joueurs. Moi, je sais déjà que je suis dans ma voiture. On va manger. J'ai un peu trop tapé d'arbres. On va vers la hors zone. J'ai retapé. Je sais pas trop ce que je pourrais récupérer. Un sac de plus grande taille. Dégâts 7, cadence de tir 900. Oh, c'est beaucoup mieux. Mais en même temps, il y a beaucoup plus de balles dans celui-là. Et donc, vu la vitesse à laquelle on tire, j'aurais vite épuisé mes 50 balles, je pense. Je changerai d'arme quand j'aurai plus trop de balles de celui-là.
On voit personne dans les jardins, je pense. Ça m'éblouit, hein, toute cette lumière. J'ai un peu la flemme de passer beaucoup de temps à regarder les jardins. Je peux ouvrir la fenêtre. Ça, je verrai bien. Je pense qu'il n'y a personne. Et puis voilà. Sachant que on est hors zone là. Donc ce serait logique qu'il n'y ait personne. D'or à steak un peu partout. What, c'est tout? Je croyais qu'il y avait une porte qui menait à la. Non, faut forcément passer par là. Bon, c'est pas grave. On va y aller. Passé par là avec une voiture qui est maintenant là-bas. On va y aller sans voiture, ce sera plus discret. Je pense pas que j'ai besoin de me presser. En revanche, il y a des mecs. Juste là. Très vite. Ah, il est derrière moi, flûte. Vous permettez que je mange un instant? Ah, mais je regagne ma vie à toute vitesse avec ce machin. Arrête de manger. Ah, trop tard. Je savais pas ça pouvait faire ça. Bon, je crois qu'on va changer d'arme parce que. Il a la masse de Karl. C'est quoi ça? Ah, oh mince, il est nul le car par rapport au fusil de Johnson. Winchester, c'est peut-être mieux ça. Non, il n'y a pas de balles. C'est clair que c'est pas top. Ah, j'ai un casque T3. Il y avait un mec là. J'entends la zone qui arrive. Ah, la jambe droite. C'est bon, là, on est bon là. On va garder l'éclairage de car. On n'est pas loin. Donc on a celui-là de loin et celui-là de près. Est-ce qu'il peut contenir plus de balles? 30. Ouais, je sais pas si je gagne le change par rapport à mon autre fusil. Il fait combien de dégâts? Faut savoir. What? On peut pas savoir combien de dégâts il fait? C'est chelou. Dégâts 15, dégâts 6, et lui il veut pas me dire. Est-ce qu'il faut que. Je sais pas, j'ai tiré avec? Bon, c'est pas grave, on va dire que de toute façon j'ai pas allé chercher d'autres armes. On va dire que pour l'instant je le garde. Le fusil Johnson est à mon avis beaucoup plus fort. Il faut autant de dégâts que le sniper. Il y a un mec. Ou j'ai rêvé. Peut-être rêvé. Non, si j'ai bien vu un mec près de la barrière. C'est juste la barrière qui m'a semblé être un être en mouvement. Toute façon j'avance. C'est trop fort par contre le sac de régénération, je m'en étais pas rendu compte.
Il m'a soigné super vite. J'avais même pas besoin d'aller me cacher en fait. Je me fais peur avec mes propres bruits de pas. C'est quand même triste. Hein. Il est semi-automatique par contre. C'est-à-dire qu'il faut que je mette tous les coups. Si je veux beaucoup tape, beaucoup tirer, faut que je clique beaucoup. 420, je suis pas capable de faire. Ça doit être des coups par minute, me semble-t-il. Je suis pas capable de cliquer 421 fois sur ma 420 fois sur ma souris juste au bon moment. Les minutes. Il y a une pierre tombale. D'ailleurs, j'ai oublié un cactus moi dans les pierres tombales. On s'en fiche un peu. Il a été dépouillé. Regardez, plus de conserves en alu. Ils sont faciles à manger. Partant du principe que de toute façon, j'aurais. Ça vaut pas la peine que je mange un gros truc parce que mon sac me régénère super vite. C'est quoi? Régénère 0,7 points de vie par seconde. Ouais, c'est-à-dire qu'en 20 secondes, j'ai toute ma vie. Bon, pas tout à fait, mais 20 secondes, je dois gagner 15 points de vie ou un truc comme ça. Il y a un mec dans l'eau là où. Il y a un truc dans l'eau, ça va être une voiture. Mais quels pollueurs ces gens, ils enfouissent leur voiture dans l'eau. Rarement vu moins écolo, hein. Ouais, je dis ça. Cactus. Je sais pas si c'est juste moi ou si jamais vous aussi vous avez du mal à voir loin. Pourtant, il n'y a pas tant de lumière chez moi. C'est sur moi que ça a tiré. Non, c'est pas sur moi. C'est des gens qui se sont entretués là-bas. Je vois pas trop. En vrai, c'est peut-être sur moi que ça a tiré. J'ai pas fait gaffe. Mais il tirait sur le mur en pratique. J'ai entendu quelqu'un mugir, comme si elle utilisait son pouvoir de bête. Je devrais peut-être utiliser le mien aussi. Bon, les gens viendront pas forcément de là-bas, mais comme j'ai entendu des coups de feu et tout, je préfère quand même vérifier. La zone avance beaucoup. Ah, il y a un mec là-bas. Vous l'avez peut-être pas vu, mais il est sur le machin. Si je peux le headshot, peut-être qu'on peut le tuer. Il s'est caché. Il fait bien. Tout le monde doit être autour de lui. Il faut continuer à avancer. Ah, c'est dommage ça. M'arrange pas. Pas vraiment la masse de buissons.
On avance par là en théorie. Mais lui, vu son spot, à mon avis, il bougera pas. Oh non! Il y avait un mec derrière. Bon, c'est pas trop grave, c'est pas une si mauvaise partie. C'est même pas du tout une mauvaise partie, on a fait 3 kills. On va en refaire une, on enchaîne. Et ce sera probablement la dernière de l'épisode, sauf si je meurs très vite. Hop. Colt Walter. Oh mon dieu! Ah, ça fait peu de. Ça fait beaucoup de dégâts avec une cadence de tir très faible. Je crois que je n'avais encore jamais eu ça. Je dis pas non, hein. Un petit fusil qui fait comme fusil à pompe. Il n'y a pas de viseur quand même, non. Intéressant par là, paraît-il. Tété, non, on va garder mon petit machin. Un sac moyen, je prends. On a une voiture là. Si jamais. Il y a plein de rues. Enfin, plein de maisons, justement. Donc, c'est un peu compliqué de se déplacer en voiture et pas forcément super utile. Il y a probablement des gens qui ont spawn dans le même pâté de maison que moi. Et je n'en suis pas sûr. Ah, il y a une arme là-haut. Difficilement accessible. Il est sous l'escalier. What? C'est pas un tableau dans lequel on peut passer, ça. Mais comment vous voulez que j'accède à là-bas? Ah, c'est pas grave, on va prendre toi en deuxième main et toi, tu es mon arme préférée dans les deux que j'ai, on va te prendre. Au pire, je prends la voiture et on bouge. Bon, ça me paraît pas super logique de bouger maintenant, alors qu'il reste plein de maisons. Pièce d'or à steak. J'ai déjà un casque de niveau 2. Fouillons la maison d'à côté. C'est pas mal. Ah, j'ai chopé des trucs d'Hermès, c'est bien ça. On va quand même les échanger parce que celle-là elle sera très mauvaise de proche alors que l'autre elle est bien. Sac moyen. On va tout fouiller, on va avancer. Ne serait-on pas plus protégé dans un véhicule de ce type? Même si c'est peut-être moins maniable. Oh, il est beaucoup plus lent. Oh, il est lent. C'est pas grave. On va favoriser la protection. Y'a un mec. Je l'ai headshot vraiment.
se tire. J'ai ce que je voulais. Crois que je l'ai juste. Allez, hop. Ça m'a tiré dessus et je le vois. Facile. C'est pas un mec ça, ouais. C'est un rocher derrière. Alors, qu'est-ce que tu peux m'offrir, toi? Ah, le fleur drilling. Y a pas l'arme? C'est une blague? Il avait le truc de Luffler Drilling? Prends une béretta, c'est un peu nul. Non, c'est pas... j'aime pas trop Mossina. On va prendre ça. Ok, on est reparti. On va casser son. Voilà. C'est quand même pratique d'avoir un véhicule, même si il est lent. Alors je crois qu'au bout du croisement là, il y a parfois beaucoup de, y a beaucoup de gens qui passent. On va peut-être les attendre un peu. Sachant que la zone va arriver, logiquement les joueurs vont arriver aussi. J'ai un viseur. Yep. La logique voudrait qu'ils arrivent plus de la route. Pas vraiment en fait. Peuvent arriver n'importe où. Mais ils pourraient s'amuser à fouiller les trucs comme ça. Alors j'ai vu le mec. Question où va ressortir là. Il va rentrer et tout. Je crois qu'il est bien rentré. Il y en a un qui est là-bas. Peut-être le même que j'ai pas suivi tout le long. C'est une nana, je sais plus si c'était une nana. Non, il est là. La zone, on va se retirer. J'ai plus de respiration là. Oh, blanc. Faut que je respire. Là, je respire. J'avais oublié que je pouvais courir. Je l'ai vraiment massacré avec la Gewehr, le mec. J'ai mis 3 balles et c'était joué.
sur moi qu'on tire. Je ne les vois pas. J'ai pas vu les tirs, j'ai juste entendu siffler. Je continue à avancer, malheureusement. Beretta, ça fait 9, ouais, ok. Oh, le flare trading. C'est un fusil à pompe vachement chouette. Ah, faut que j'avance plus par là et moins vers la pyramide là. Ok, c'est parti. Est-ce que je prends ça ou pas? On va garder le beware pour l'instant. Y a un mec derrière. Je le vois. Touché. Je suis meilleur que toi, hein. Ah oui, c'est pas utile ça. Filon, de l'autre côté. Où peut-il bien être? Juste là. Veste d'assaut. Lanceur en verre, qu'est-ce qu'on a vu? C'est pas vraiment la bonne direction pour courir. Je me doutais que je le one-shotterais avec ce machin. Donc j'en ai carrément profité. Allez, dans l'eau! Allez, fonce pas. Je peux prendre la grenade. C'est pas vraiment ce que j'ai. Pour l'instant, j'ai grenade fumigène. Je vais jeter la fumigène. Elle est où? Là. Je m'en servirai jamais. Je préfère avoir une grenade qui fait boum et puis voilà. Hop, la pauvre, elle a rien vu. J'ai fait ch'ta ch'ta, c'était fini. On va pas fouiller son stuff, c'est la zone qui arrive assez vite et j'ai un bon stuff vraiment. Oh, c'est sur moi. On va se cacher là. On va manger. Non, pas l'assiette, les conserves en verre plutôt. Les tirs par contre. Ça me tire de par là aussi. C'est un peu dur d'esquiver tout. On s'en sort bien, hein. C'est une partie où je suis fier de moi. Ça va peut-être mal finir, mais. Pour l'instant, ça va. Ah, j'ai mon Colt Walter qui fait beaucoup de dégâts aussi. Oh, oh. Faut que je change mon gear, j'ai plus de. FTG. Hop. Chargeur de FTG. Oh, il a quasiment rien du tout. En balle. Ah, Karl Perforant.
Hop, calme. C'est parti. Je peux pas continuer dans la tranchée. Colt machin, recharge. Il a permis de faire pas mal de dégâts quand même, le Colt. Il avait deux touches. Je pense que une touche du Gewehr 41 a suffi pour terminer le travail. Mais. Oh. J'aime pas tellement le viseur. Faut pas que ça me touche. Mince. Oh. Oh, j'ai cru que j'étais crevé. Ah bah ouais. Aïe aïe aïe. Ah, j'ai fait le succès impossible à arrêter. Qu'est-ce que ça vaut? Impossible à arrêter. Tuer 7 ennemis en une seule et unique bataille? C'est faux? Si? J'ai tué 7 ennemis? Mon dieu! M'en suis pas rendu compte, ça allait tellement vite. Et j'ai terminé deuxième. C'est tellement triste. Ça me fait rager ça. Deuxième. Encore une fois. J'en ai marre de terminer deuxième pas premier. J'aurais pu mieux jouer à la fin, mais je sais pas vraiment ce que j'aurais pu faire. J'aurais pu la voir avant, mais ça c'est aussi pas mal de la chance vu qu'elle était derrière moi plutôt. J'aurais pu prendre mon arme mitrailleuse et tirer. Si j'avais gardé la Gewehr, il me restait 3 balles. Je pense pas que j'aurais touché. Et si jamais j'aurais touché, j'avais touché avec un, je pense. Le petit fusil, je l'ai pas touché en fait. Je pensais que j'allais m'en sortir, mais elle sautait, elle me voyait et après elle tirait là où j'étais. Bon. En tout cas, c'était une chouette partie. J'espère qu'elle vous aura plu. Et ça fait une demi-heure. Ça fait comme un vrai épisode. On se retrouve bientôt pour le suivant.